Beauté, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment faire des bouillons, pas des bouillons, des cubes d'assaisonnement, voilà, pour assaisonner vos poissons, vos viandes, vos poulets, vos sauces, voilà, tout. Vous pouvez sincèrement tout assaisonner avec ce mélange et ça va vraiment, vraiment, mais donner un goût très, très délicieux. Donc là, dans mon mixeur, j'ai déjà mis du persil et du céleri. Ici, il y a de l'oignon, il y a de l'oignon, de l'ail, poivron, et tout en bas, j'ai des tiges de ciboule que j'ai déjà découpées grossièrement. J'ai tout découpé grossièrement. Là, je vais prendre du gingembre que je vais aussi découper, que je vais ajouter à mon mélange et je vais mixer tout ça. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez utiliser un mortier, piler le tout et ensuite je vais vous montrer comment faire. Voici donc le résultat. J'ai plusieurs méthodes de conservation. Je peux mettre dans un gros pot comme ceci et que je vais congeler. Soit je peux mettre aussi dans. J'espère que vous voyez. Voilà. Je peux mettre aussi dans ceci. Comme ça, en fait, j'ai des cubes. Voilà. J'ai des cubes dans mon. J'ai des cubes que je mets directement dans mes plats si ce sont des sauces. Voilà. Mais je trouve que si c'est du poisson. C'est mieux, ou si c'est du rôti qu'on veut faire, c'est mieux de mettre dans un pot comme ceci, comme ça on peut récupérer, mais c'est toujours possible de mettre dans ce petit bac à glace. C'est très simple. Je vais mettre dans mon bac à glace. Voici donc le résultat. C'est très économique, on sait ce qu'on y a mis, c'est naturel, il n'y a rien de chimique à l'intérieur, pas de conservateur, c'est nous-mêmes qui l'avons fait et on met tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on sait qui va apporter du goût à notre nourriture. C'est parce que je n'avais pas eu du poireau, sinon on peut aussi rajouter du poireau, je mets souvent du poireau aussi, mais c'est pas grave même si on n'a pas essayé d'assaisonner tous vos plats avec ce mélange et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vais mettre tout ça au frais, au congélateur et c'est prêt.